Bon bah go farm au Q, hein. Objectif, ne pas crever, c'est tout. J'espère même pas avoir un kill ou quoi, juste ne pas mourir. Ah si j'avais su que j'allais contre l'orage, j'aurais été tellement fiddle. Ça aurait été mille fois mieux. Ah bah non, c'est pas cool là le déplacement du chevalier la seconde qui me fait rater deux cris. Je me sens très arnaqué là. Oh, je suis mon canon. Je survis les gars, je survis. Aïe. Donc. Ah. En meilleur que j'ai pris les deux tiers de ma vie avec le roi, c'est même pas pris un seul coup de tour. Ah c'est chaud la range du truc. Voilà. Ah bah bien sûr c'est. Merci Nulu. Capacité dégâts en PMAX en plus ça m'arrange pas. Hein. Comme je débile cœurassier. En vrai, le rework d'Aura, je sais pas ce que ça fera pour la mid lane ou les supports, mais j'ai vraiment peur pour la top lane par contre. Parce que comme il buff la range de ses spells, le prochain patch me fait très très peur pour Aura. J'ai vraiment peur pour ma petite top lane. Ok, Nulu topside. Allez, boum. GG, merci. Mais là, j'ai une cotette en fait. Mais. Chassé. Ah, c'est une dinguerie comment elle est trop forte. Toi, tu vas revenir vers ma tour, toi. Tu vas le mettre dans ma way. Alors, bah madame. Ah, ça fait moi la maline. Hein. Allez. Le bide est trop rigolo. Ouais. Non, mais la raid, là, j'ai pas rêvé. Mais bon, c'est... Qui se casse là, l'autre? Oh non, le malaise. Oh, le nu est un goat. Oh là là, mon gars, mais... Ils sont trop forts, les gens dans ma team. Tu vas prendre ta fessée, toi. Bah. Retourne dans l'autre sens, s'il te plaît. Alors, ça va faire quoi maintenant? C'est bon, je vais tomber dessus là, je les t-bag, elle est finito. Putain, j'ai été calme toute l'après-midi là, cette game m'a réveillé. Il fallait un range top pour me réveiller, genre vraiment. Putain, mais vraiment la Aura, vraiment la souffrance, c'était les 3-4 premiers niveaux. Après, j'ai recall, j'ai TP, je suis revenu avec juste une ceinture du géant, c'était fini quoi. Elle pouvait littéral plus rien faire. Top 4-0 versus Aura, c'est un rêve éveillé. Bah, en vrai, les tanks s'en sortent pas trop mal contre les ranges en vérité. Hein. Ils s'en sortent bien mieux que les bruisers. Hein. Ah ouais, jamais de la vie tu vas vers ta lane. Toi, touche à une wave. Jamais. Faut juste que je touche une langue. Ok, elle est morte. Hop, la kidnapping. GG. Hop, la coincède. Oh, même pas drôle. Rassure. Allez hop. Je crois que j'ai la tour en plus. Ah, je suis riche là. Magnifique. Je suis tellement bien dans la game. Putain, je m'attendais à souffrir de zinzin. Et au final, un Rico l'a suffi à me mettre trop bien. Je fais ça comme ça, j'espère occuper quelqu'un en top. Donc moi après, je vais bot pour le Drake. C'est où là? C'est en mid. Hein. Bon, j'ai sauvé les fesses du Nulu. Allez hop, toi tu t'arrêtes là tout de suite. Hop là, donne ton cœur à acier ma grande.
à ton tour. Hop là, cuirassier. Ah, dommage. Et bah franchement, on s'est bien défendu. Oh, la longueur de la longue. Fais quoi le nunu? Ah d'accord, je me demandais pourquoi il allait aussi vite, mais il était en héros en fait. C'est pour ça que ça avait aucun sens. Heureusement que j'étais là quand même. Hey, j'ai pas encore ma RM, donc faut vraiment que je fasse gaffe quand même. Oh, les boîtes avec un item et un niveau de retard comme mon deuxième item, c'est de l'armor. Et qu'en plus c'est un item de teamfight, j'ai pour l'instant pas encore un gros potentiel 1v1 sur elle. Ok, on Bessa qui fait des trucs dans Bessa. Bah. Ah frérot. C'est pas parce que j'ai dit que j'avais pas un gros potentiel 1v1 que... Faut se moquer de moi non plus. Il y a des limites à... Enfin, je sais pas. Ah non. Je suis flash pour garder les stacks. Ah. C'est quoi ça? Oui. C'est le meilleur jour de ma vie, Julkin. J'ai un R pour sauver la hache s'il faut. On peut se barrer en express, si jamais. Je suis en redshop en diamant, j'espère à part 35 MP. Ah ouais, ce serait mérité. Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Alors moi je veux juste rigole pour prendre mes items à la base, je peux même pas, bah je vais défendre bot. Il y a le Drake dans une 10, ce serait bien que j'arrive à faire un reset avant le Drake. Bah je crois que je vais y aller après cette wave. Hein. La wave va être en état neutre, du coup les deux vont se rencontrer au centre. Ça me laisse le temps. Jin et Roi sont tous les deux en top, donc c'est fine. Ah. Ah. C'est pas cool d'engage le fight sans moi les gars. C'est vraiment pas cool. Moi aussi je voulais jouer à la bagarre. Ah merde, j'ai voulu bouffer l'âge. Elle s'est fait burst tellement vite. Ma bad. J'ai sous-estimé les dégâts des ennemis. Je les slow. Let's go. C'est dommage, on aurait pu s'en sortir avec 0-0 mort. Ok, nice le Drake. Drake, ça fait plaisir pour Time Kenshin. Franchement, les Drake devant sur les tanks, c'est trop bien. Ah, c'est encore bot ça à tous les coups. Ouais. Ah, ça y est, cette fois-ci, c'est passé. Par contre, du coup, ils sont les 5 au bot. Enfin, les 4 au bot. La 5ème, elle est morte. Mais ça veut peut-être dire que je peux choper la tour. Ouais, t'inquiète. Vous en faites pas pour moi. Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'y retourner là? Je sais pas, moi j'ai vu on y allait, j'étais en mode allez go, on envoie toute la sauce. Bah, je vais aller défendre bot, hein, j'ai ma TP de toute façon, donc c'est pas très grave. Juste c'est galère de jouer de cette manière là avec la TP sur le side. Quand il y a un nocturne. Parce que du coup le nocturne il t'empêche de TP. Et ça c'est pas cool. Je vais dire c'est sûr qu'il y a nocturne. Eh hey, je vous prends en 1v2 octogone. Bah, ils ont perdu toute leur base en tout cas. Tu fais quoi toi? Hop là, allez, ratio. Nous recall pour vous. Perdez toute votre base et en silence, s'il vous plaît. Ah bah c'est bien, hein. Les bons cancels de recall, du coup on prend deux inhibes. Ah, je peux pas TP, hein. J'ai mon rêve de TP, hein. Mon rêve, hein. Mais Ok les gars, va falloir couper un truc là. Ok, nice. Tu veux finir? On finit pas, hein. On pourrait juste prendre l'âme là. Je pense que c'est un peu du trop lourd. Les gars, dans Bessa, en vrai, c'est une petite dinguerie. Hein. Aïe. Bah, je dis aïe, je prends même pas de dégâts de là. Il s'est fait exploser par les CS, je suis mort. Hop. Je te mange. Chiché. Oh, je refais des plus 22, le jeu décide d'arrêter d'être radin. Comme quoi, les modes, c'est vraiment la fausse. Hein. T'obtiens 0 LP. Ah bah voilà, hein. Bonne game. Hein. Bon bah du coup, je vais pouvoir faire le tirage au sort en tout cas. Alors attendez, hop,
Alors c'est parti pour le tirage. Hop là, ça c'est pour YouTube. Je mettrai ça du coup dans la vidéo bah, de demain qui bah, du coup qui sera demain mais là on est vendredi. Donc ça sortira. Ouais, je suis perdu. Bon, ce sera soit samedi soit dimanche. On est là pour décider les gagnants du giveaway. Du coup, il y en aura 5. Numéro 1, voilà, 7 personnes. Numéro 2. Après, faut faire gaffe parce que j'ai pris vos hâtes. C'est pas vos pseudos, c'est vos hâtes. Donc si vous avez pas le même pseudo sur votre hâte que le nom de votre chaîne, c'est possible que ça ait changé. Allez, troisième gagnant. Hop là, 7 personnes. Let's go. Le troisième. Clac, 7 personnes. Et le dernier. Attention. Et voilà, chez mes 5 winners. Voilà, donc si vous avez gagné et que vous avez vu votre nom s'afficher à l'écran, vous pouvez juste me mettre votre pseudo LOL dans les commentaires. Et hop, je vous enverrai directement le cadeau via Riot. Et voilà, merci YouTube d'avoir regardé. Et des bisous.